Allez, c'est parti pour la game Briard, mesdames et messieurs. Je suis en first time, littéralement. On va voir un peu le potentiel du champion. Et voilà, tout simplement. Ok, vas-y. Hein. Oh, le ping. Ah, c'est PBE, les gars. Hein, PBE. PBE, hey, comme on dit. Après, un range top, ça va être un peu casse-couille. Hein. On n'a pas de top, donc du coup, je suppose. Oh là là, les gars. Non, mais les gars, après. Les gars. Vous êtes déchirés, les gars. C'est ça le problème. Ah, c'est marrant. C'est quoi ce perso de fou? Ok. Ok. Pas très voir ce mon trade là. Je pouvais pas Z sinon je vais sur la tour, c'est ça? Ouais, d'accord. Ça régène bien quand même, hein. Ça trade pas trop mal. Hein. C'est quand même une Nico early game. C'est quoi la régène que j'ai eu là? J'ai pas compris ce que j'ai fait, mais. Ouais. C'est bien ce qu'il a fait. C'est bien là, que les Nico jouent agressif. Comme ça, je peux voir le potentiel dans les premiers niveaux. Je pensais que c'était nul dans les premiers niveaux. Ça a pas l'air si dégueu. Et en plus, j'ai pas de RM en rune, les gars. Pas un match-up de fou là. Salut mon poulet. Il y a 10€ de RP à gagner sur chacune de mes vidéos du 15 juin au 15 septembre. Pour participer, c'est très très simple. Tu suffis de mettre un commentaire sur cette vidéo avec ton pseudo League of Legends, liker la vidéo et être abonné à ma chaîne YouTube. Le 16 septembre, je ferai le tirage au sort de tous les gagnants de chacune des vidéos et tu peux participer à toutes les vidéos. Y a aucun problème là-dessus. N'hésite pas à partager l'info à tes potes, comme ça ils peuvent aussi participer pour gagner 10€ de RP. Comme tu le vois, je rends l'argent aux abonnés et on retourne sur la vidéo. Ok, ok. Ah, ça focus le clone là. Bizarre, ça focus le clone. C'est pas la vraie ça? C'est bizarre! Avec le ping, ça, avec le ping c'est vraiment. Le clone, les gars, le clone ça me baise! Hein. Qu'est-ce que je fais là? Ok, les gars, j'ai oublié un truc important là. Ok, ok, quand t'appuies sur Z, faut faire gaffe quand même. Ok, quand t'appuies sur Z, faut faire gaffe quand même. Ok, les gars, attention aux Z! Attention aux Z, les gars! Attention! Bon, Nico, c'est un counter parce que ma merde focus le clone. Le frérot prend un range top. Et c'est mon counter. Un lucky ça. Oh la dinguerie frère. C'est quoi ce rotate que tu peux faire? Oh les gars, vous allez avoir des screamers dans vos games. Portez du air frère. Portez du air. Je pense que je vais go griffe du rôdeur les gars, je vais tester un build avec de la létalité. Ah ouais, la mousse speed c'est quelque chose par contre. Hein. Wouah, la mousse speed frère. C'est dinguerie hein. Non! Elle est morte la Briard là. Elle est morte. Ah dommage. S'il venait un peu plus tôt, c'était bon. Bon allez, mort, c'est mal. Let's go, pas mal. Dommage, j'ai loupé de peu. Hein. Oh la dégris! Il est trop fort le E en fait! Je l'ai loupé. C'est bon, j'ai compris, je l'OTP. On peut Q sur le sbire, après on peut Z derrière. Ok les gars, ok, ça rentre. Les mécaniques commencent à rentrer. C'est pas trop mal les gars. Oh là là. Je peux rien faire les gars, Je peux rien faire malheureusement là. Ah, j'ai pas touché, putain. Dommage. Bon, après le R, faut toucher les gars. C'est pas évident quand même. Hein. En cross the map, c'est pas facile. Ils vont juste fuir. Hein. Ouais. Ok, oh, j'ai mis des dégâts à la veine, frère. Ah, mais la Shyvana est trop faible. Hein. Ah, c'est dommage. Après, la team se fait exploser là aussi. Hein. C'est pas un bon exemple. Hein.
Ah merde, j'aurais pas dû faire ça. Ok. Ok, not bad. Elle est pas là, ce mana. Ok, voilà. Ok, nice. Ah, il aurait peut-être dû me laisser le shot en vrai. Riot, vous avez encore abusé. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est très fun à jouer en tout cas les gars. Très très fun à jouer. Et en fait l'avantage c'est que t'as pas besoin d'hydrovorace et t'as une sorte d'hydrovorace dans le kit qui est intégré. Et ça c'est sympa. Est-ce que le Z fonctionne sur l'Hérald? Il faut sur l'Hérald. Du coup en jungle c'est une dinguerie le Z sur l'Hérald. Full ensemble. Je vais me faire one shot par un stylé. Oh ben je m'en vais hein. Désolé les frères hein, mais là Shimana il me met à eux, je suis mort hein. Oh là là la game infâme. Oh la game infâme les gars. Il y a des monstres partout là à gérer hein. Mais en fait moi je m'amuse hein, c'est juste que ben il y a eu des monstres quoi là dans la game. Allez hop. Ah, ce que j'ai fait c'est que j'ai QZ instantané. Ça t'apprendra toi avec tes Shyvana en full try ride toi. Ça t'apprendra mon ref. Ça t'apprendra toi à casser le cul à ma team. Boum on y va. J'y vais pas frère. Je suis obligé d'aller. Dommage, j'ai voulu flashing Q les gars pour terminer mais j'ai pas réussi. Dommage, dommage, dommage. Et là. On va tuer. Ah mon poulet, tu peux pas faire grand chose hein. Ça fait trop trop mal, la première auto là avec la griffe là c'est une dinguerie. Dommage, Ezreal. Ah bah tu tues la chaîne. Ok, elle a raté son E. Tu vas prendre un, mon poulet, tu vas prendre un, tu vas prendre un, tu vas prendre un. Ah les gars, allez, 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 les gars, on fait l'effort, s'il vous plaît. Y'a aucun contourplay. Elle ne peut absolument rien faire. Parce qu'en fait, elle est stun au début et après, elle se prend deux autos, elle est morte quasiment. Oh dommage, dommage. Dommage, dommage. C'est une dinguerie le perso hein. Dites-vous que là on a une équipe qui est vraiment au fond dans la game les potes hein. Y'a que Tadia qui est bien hein, avec moi. On a un Panthéon support, ça sert pas à grand chose à ce timing là du jeu. Ils ont Shyvana, Zoé et Nico de Fed hein. Full kiting ces champions là. Après le ping aussi ça aide pas parce que je peux pas vraiment Z et cancel avec Progen. Et va les frères, de quoi on a peur là. Dégage de là, toi. C'est notre Drake, mon bel. Relâche. Regardez la speed.
Ah, de la boost speed, de la boost speed. Viens là. Couché, mon pote. C'est bon, j'ai compris, les gars. Le Z, faut le spammer, ça donne de la boost speed, en fait. C'est bon, les gars, faut spammer le Z, en fait. C'est bon, j'ai compris, c'est fini pour vous, là. Vas-y, je vais le payer, là, je vous le dis. Let's go, motherfuckers. Viens là. Tiens-moi, mon bel, tiens-moi. Voilà. Ah, j'ai mon bel. C'est le dinguerie, les gars. C'est je le paye, hein. Ils peuvent plus rien faire. Trop de dégâts, trop de mobilité, trop de lifestyle, trop de survivabilité, y'a tout. C'est terminé, frère. C'est gagné. Terminé, frère. Et ce qui est bien, c'est que les frérots étaient pas bien dans la game, tu vois. GG, les gars. En fait, les gars, ce que j'avais pas capté. La grosse erreur que je fais depuis le début de la game, c'est que mon Z, il y a un mini dash, et j'avais même pas capté, les gars. Vous avez capté la différence? Quand j'ai capté qu'il y avait un dash sur le Z, c'était impossible de me fuir. Un 52 000... Regardez, hein, quand je vous dis que ça peut solo carry, hein. Je veux dire, les frérots étaient pas bien dans la game, hein, littéralement. Ils mettaient de la CC, ils m'aidaient à taper, tu vois. Mais tu vois, j'avais pas d'autres persos qui carry à côté, tu vois. Après, ça ressemble un peu à un affiré à la sortie, quoi, tu vois. Mobilité, dégâts, régène, ça a un peu de tout. Je sais pas si ça va être nerf ou quoi. Alors, la différence de Nafiri, je trouve que c'était quand même plus fort. En plus, ce qui est beau, c'est qu'en face, ils sont tryhard, tu vois. Il y avait trois mecs qui étaient feed, Zoé, Shyvana et Nico, ils étaient un peu partout. Bon, Briard en face et Vayne, ils étaient un peu plus en galère, mais tu vois, ils ont joué en face, tu vois, ils ont cliqué, ils m'ont pas feed, au contraire, hein, ils ont pas donné de free kill, c'était full fight, tu vois. Mais c'est vrai que le perso, il est très très fun à jouer. Et j'ai l'impression qu'il est fort contre les ranges, parce que je pense que le perso se fait éclater contre les autres briseurs, honnêtement. Hein. Pourquoi ils ont perdu? Parce qu'ils ont pas de briseur en face. Tu mets un Jack, je me fais déchirer, je pense, honnêtement. Que mon Z donne pas assez de dégâts pour déchirer un briseur ou un tank. Je pense que le counter des persos, c'est les tanks ACC. Et les autres bruiseurs, en fait, qui sont forts à 1v1, tu vois. 34 de régène, j'ai pas regardé ça, attends. Regardez le healing, les gars. En 31 minutes. Et en fait, j'ai l'impression que le perso, tu te fais éclater contre les autres bruiseurs. Je pense que la pire game, c'est genre contre un Jax, un Urgot ou quoi, parce que tu te fais stat check, en fait, tu vois. Stat check, en gros, c'est le terme qui veut dire que tu peux rien faire en termes de stats, tu te fais éclater. C'est comme ça, tu vois. Je pense qu'il y a aucun counterplay contre certains bruiseurs. Par contre, contre les Squishy et les mages, j'ai l'impression que c'est eux qui ont aucun counterplay. T'as ton Q-spell pour les stuns, t'as ton Z en perma. À la fin, j'avais 3 secondes sur mon Z, les gars. C'est-à-dire que j'ai un dash et je cours plus vite vers lui. Je fais mon Q-spell, je le stun, il flash out. Je refais mon Z, je redash vers lui, j'ai re la move speed. Ce qui était chiant, par contre, c'est la Nico. Le clone de Nico, c'est vraiment infâme. D'ailleurs, Leblanc, Nico Wukong. En termes, je pense que honnêtement, ça va être très fort contre ce champion. Ça va empêcher le champion de taper, littéralement. Et voilà, mais en tout cas, c'est une dinguerie.